Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment sauvegarder ces fichiers sur un site internet grâce à Dropbox. Donc la fonctionnalité principale, c'est justement ce que je viens de dire, donc de sauvegarder des fichiers très loin de son PC. Donc ça veut dire que si un jour notre PC perd tous ses fichiers, il ne marche plus, nous pouvons récupérer les fichiers que nous avons stockés sur ce site et les récupérer. N'importe où, on peut se trouver, je donne un exemple stupide, mais on peut se trouver par exemple en Amérique. Si on trouve un PC et que l'on met notre email et notre mot de passe, on accède donc à notre espace privé et on peut récupérer les fichiers qu'on a postés sur le site. Donc voilà, donc c'est vraiment très utile si vous voulez poster des fichiers qui sont vraiment très importants pour vous. Voilà. Ça peut être une vidéo, ça peut être des photos, ça peut être de la musique, ça peut vraiment être n'importe quoi. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez besoin d'une connexion Internet standard, pas besoin d'avoir une connexion Internet haut débit, etc. Standard, ça suffit amplement. Vous ouvrez votre navigateur Internet, voilà, et vous tapez dans la barre de recherche Dropbox. Voilà, il le trouve tout de suite. Et vous allez sur le premier lien, qui est en anglais. Mais vous inquiétez pas, c'est pas de l'anglais encore une fois, très compliqué. Donc ici, voilà, vous téléchargez Dropbox. Et là, voilà, il se lance. Donc vous enregistrez le fichier, enfin vous faites en fonction de votre navigateur. Moi j'ai Mozilla, ça se passe comme ça. Internet Explorer, c'est différent. Ça reviendra au même. Il va télécharger et ensuite vous aurez la possibilité de l'exécuter. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait. Je l'ai enregistré, donc il est ici. Voilà, et je vais tout de suite le lancer. Voilà. Donc c'est pas très loin à installer, ça prendra même pas 1 minute. C'est vraiment un logiciel. En plus c'est pas un logiciel très très lourd. Voilà, donc vous installez. C'est vraiment juste une petite précision. C'est encore une fois, c'est pas vraiment un cours ce que je fais, c'est plutôt une astuce. Bon, bien entendu, ça peut être considéré comme un cours, mais c'est encore une fois comme l'ancienne vidéo que j'avais faite à propos d'un site de playlist qui était vraiment une superbe idée. Encore une fois, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très utile et je voulais absolument vous en faire profiter. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Donc ensuite, vous avez une fenêtre comme ceci. Donc on va partir du principe que vous n'avez pas de compte, si c'est la première fois que vous le faites. Et vous faites, voilà, je n'ai pas de compte Dropbox. Donc vous faites suivant et vous remplissez les cases. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, un mot de passe. Vous le vérifiez, vous le retapez et vous faites suivant. Vous suivez les étapes, c'est pas très compliqué. Je crois qu'il y a encore une étape et c'est bon. Voilà, donc moi j'ai déjà un compte Dropbox, donc on va partir du principe que j'ai déjà un compte. Voilà, je fais suivant et là je tape mon email. Donc, c'est pas simple à une main. Voilà, et ensuite mon mot de passe. Donc là, il me demande d'attendre quelques instants pour me connecter au serveur. Voilà. Et donc là, il me demande, il me l'a déjà demandé, mais vous avez, comme on est gratuitement au début, vous avez le droit à 2 gigaoctets d'espace.
Ensuite, vous pouvez payer par mois. Donc, si c'est vraiment que vous en avez une utilité importante, vous pouvez vraiment utiliser ce site. Mais vraiment, c'est encore une fois, ça, c'est à vous de juger si vous décidez ou non de payer. Donc, vous pouvez avoir accès à 50 et à 100 gigaoctets. Voilà. Donc, on va prendre le gratuit. Voilà. Donc ensuite, il me dit qu'il va créer un fichier Dropbox dans mon disque dur, tout simplement. Voilà. Et là, il m'indique effectivement, j'ai une petite icône ici, Dropbox, qui est créée. Voilà. Donc là, il vous explique et on finit. Voilà. Donc là j'ai directement un lien vers Dropbox. J'aimerais bien l'ouvrir, voilà. Voilà. Et donc là, en effet, vous avez directement le lien avec vos documents. Donc vous pouvez directement. Donc il se situe ici, si je ne me trompe pas. Voilà, il est ici, Dropbox. Donc on peut mettre, j'ai pas encore testé, mais on peut mettre, je crois, des documents directement en copier-coller. Sinon, si on veut être sûr et en plus avoir les détails de son téléchargement, vous pouvez aller tout simplement sur le site de Dropbox. Vous allez ici, login. Voilà, vous vous mettez. Il me connaît déjà. Et vous vous connectez. Voilà, vous patientez un petit peu. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, vous faites. Si je ne me trompe pas, voilà, vous pouvez tout d'abord créer de nouveaux dossiers. Voilà, on va l'appeler 1. Et vous pouvez ensuite, voilà, ici, upload. Vous pouvez télécharger des fichiers qui sont dans vos documents, par exemple. On va choisir un fichier, voilà. Nous, on va prendre par exemple celui-là. On l'ouvre et on commence le téléchargement. Voilà. Et là, il y a une barre en effet de chargement qui s'affiche et qui vous indique le temps qu'il reste pour télécharger ce fichier. Et vous le verrez ensuite apparaître ici. Et il vous suffira par la suite qu'à cliquer, donc ouvrir votre compte et à cliquer sur le fichier que vous voulez télécharger, par exemple celui-là, accélérer la fermeture Windows 7. En effet, il me dit non parce que je suis en train de télécharger. On va faire OK puisque maintenant je vous ai montré comment télécharger. Vous faites OK. Je fais OK. Voilà. Et là, il me lance le téléchargement de accélérer la fermeture de Windows 7. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair et je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon réveillon et à l'année prochaine. Au revoir.